Maintenant, trouvez-moi les abrutis qui ont braqué le bouquet. Je les veux aujourd'hui. Bien le bonjour, Madame O'Neill. Tommy. Tu caches bien ton jeu, hein, Tommy? D'où est-ce que tu sors ces fleurs? Vous voulez voir mon fils, c'est ça? Vous savez où je peux le trouver, Madame O'Neill? Oui. J'imagine que vous n'avez pas envie de me dire où il est. Je veux pas qu'il ait des embêtements à cause de vous. C'est compris? C'est mon seul fils. Et c'est un bon fils. Il course le lièvre. Il course le lièvre? Une course au lièvre. On lâche deux lévriers. C'est des chiens, avant que tu demandes. Après un lièvre. Et le lièvre doit courir plus vite que les chiens. Et si jamais il n'y arrive pas? Si jamais il n'y arrive pas, il est baisé. Qu'est-ce que tu crois? Baisé pour de vrai? Ouais, Tommy. Avant que les Allemands arrivent. Tu connais ces deux crétins, Errol? Oh, j'en connais un tas de crétins, patron. Mais j'en connais aucun qui soit aussi débile que ces deux-là. John. Moi non plus, patron. Oh, Tyrone. Espèce de gros connard. Alors, t'es partant? Ça dépend. De quoi? De toi. Il va aller dans une caravane. Pas la rouge, la rose. C'est pas la même caravane? Et c'est pas le même combat. Elle est deux fois plus grande que la précédente. Le combat aussi, il est deux fois plus grand. Et ma matière, elle a besoin d'une caravane. Et c'est moi que je m'occupe de ma matière. Allez, c'est reparti. Accepte. Mickey, on a tous failli être bouffés par les asticots après ce que t'as fait. Alors acheter une caravane de pute, c'est peut-être un peu beaucoup, non? Je traitais pas ta mère de pute, je voulais simplement dire que c'est... Ouais, regarde ça, c'est lui, par exemple. Bon, écoute, du bleu sur toi, d'accord? Et puis un grand lit, comme ça, un king-size, avec tout plein de coussins qu'on enlève les os dessus, avec du pied de poule, pareil. D'accord? Ouais. Et ce qu'elle préfère, c'est le bleu, par revanche, mec. Ce que je m'en fais comprendre, c'est clair? Ouais, c'est parfaitement clair, Mickey, ouais. Excuse-moi une minute, je dois consulter mon collègue. Ouais, là. Ah, je crois. T'as compris quelque chose à ce qu'il a dit, toi? Parce que moi, j'ai pigé canal. C'est pas ce que je vais faire? D'accord, canal. Fais-le parier. Tu quoi? Il va te parier. Quoi, comme Tommy la dernière fois? Épargne-moi ça, tu veux? Non, attends, je vais le faire. Tu parles le premier. C'est moi qui gagne, j'ai une caravane, d'accord? Et tous mes potes, ils ont des pompes comme ça. Alors, c'est moi qui perds. Ah, et puis merde. Mais je fais ton combat gratos. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de parier avec un manouche. Cela dit, j'ai pas vraiment le choix. Je dois l'amener à se battre d'une façon ou d'une autre. Mais si je perds, alors ça, j'aime autant pas y penser. D'accord. Je dis que le lièvre sera baisé. Quoi? Baisé pour de bon? Allez, les mecs! Je dirais qu'il a braqué votre bouquet.
Salut les mecs. Qui c'est qui est baisé pour de vrai là?